mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Bonjour à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors, vous pensiez qu'une maison en bouse, ça pouvait pas être beau parce que la terre, c'est moche. Et ben voilà. Franchement, elle est pas mal, cette maison. Hein. Et pourtant, elle est en bouse. Majoritairement en bouse, avec un petit peu de bois quand même pour faire quelque chose d'encore plus joli. Et voilà, donc une petite maison en pied, en bouse. Et bon, voilà. Donc, je vais vous apprendre à faire une maison, à faire cette maison. Bon, c'est une maison assez simple, comme vous voyez. Elle est largement assez grande pour accueillir des coffres et tout ça. J'ai fait une déco très très basique à l'intérieur parce que je préfère laisser votre imagination. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, le matériel qu'il faut. Moi, j'ai essayé de faire large pour pas faire exactement précis. Alors, il vous faudra... moi, j'ai calculé deux stacks de barrières, comme ceci. Deux stacks de barrières, quatre stacks de terre, donc de terre normale. Moi, la terre verte, c'est faite après. Il vous faudra 20 trappes pour faire les volets, mais ça, c'est pas obligatoire, c'est simplement de la déco. Mais 20 trappes, deux lits, parce que j'ai fait aussi la petite chambre, 10 demi-dalles, voire plus même, parce que j'ai pas compté le dessus, donc compter un stack de demi-dalles. Et une cinquantaine de verres. Alors, on va rentrer pour visiter. Donc vous voyez l'entrée ici. Il vous faudra des torches aussi et des échelles. Donc j'ai fait des petites pièces comme ça, toutes simples. À vous d'y mettre quelque chose. Donc voilà, là il y a les échelles pour monter vers les lits. Ici, et d'ailleurs on va dormir ça, faire passer la nuit. Voilà. Donc vous voyez, c'est une maison en terre et pourtant elle est très simple, elle est plutôt jolie avec une petite baie vitrée ici. Et du fait qu'elle soit en hauteur, ça évite ça permet d'éviter les explosions de creepers détruisent littéralement la maison. Donc on se retrouve tout de suite pour dès que j'aurai trouvé un terrain pour la refaire. Donc on se retrouve tout de suite. À toutes. Allez, on se retrouve maintenant. J'ai préparé mon terrain, j'ai même... Oula, gros lag. J'ai même préparé le timeset 0 automatique avec un petit creeper qui s'en occupe pour moi. Alors c'est parti, on a le terrain. Je l'ai fait juste à côté de la maison d'ailleurs. Donc ce sera beaucoup plus simple. Pardon. Alors d'abord, on va commencer avec cette sorte de petite pyramide qui sert d'escalier. Alors il est de 3 de largeur sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tout simplement, on va commencer comme ça. On pose deux bouses comme ça. Alors le temps, il faudra attendre un certain moment, un certain temps avant qu'elle soit verte parce que ça met quand même pas mal de temps. Alors vous voyez, vous faites ça. Pardon. Paf. Alors je vous conseille d'avoir de patcher votre Minecraft pour que l'herbe soit connectée comme ça là. Parce que ça fait vachement plus joli sur la maison. Donc voilà, on a notre petite montée. Et puis après, si j'avais le zoom, ce serait plus simple. Alors, il faut faire péter les barrières par là, comme ça, voilà, sur 2 de hauteur. Les barrières sont là. Tac, alors. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous ramenez jusqu'ici. Si je me trompe pas. Non, voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Tac. Tac. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prolonge ici sur 1. 2, 3, ensuite vous faites un poteau comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, tac, pardon, tac, 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 comme ça. Vous voyez, ça commence à faire la base. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Vous prolongez de 5 de ce côté-là. 1, 2, 3, 4.
5, et là vous faites un poteau. Tac. Pareil de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un poteau. Et ensuite, on prolonge. Faites voir ça. 1, 2. Alors, là, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et... Donc, à partir de là, on prolonge de 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vous montre les étapes telles qu'elles sont, elles peuvent être faites sans le mode créatif. C'est-à-dire, pas besoin de voler, tout ça. Donc, faut déjà commencer par cette base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je vous le montre en mode créatif parce que c'est beaucoup plus simple que de piocher toutes les 2 secondes dans tous mes items parce qu'on n'a pas assez de ressources. Donc, on rejoint. Et ensuite, derrière, on fera 2 autres petits poteaux pour faire plus équilibré et plus joli. Donc voilà. 2 petits poteaux comme ceci. Et donc, ils seront à 1, 2, 3, 4 d'écart. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4 et au cinquième vous mettez le poteau. Pas au bon endroit. Voilà. 1, 2, 3, 4 et au cinquième vous mettez le poteau. Donc voilà, on a déjà la forme de base en barrière. Alors maintenant vous placez la terre tout simplement. Et donc voilà, c'est prêt. Enfin, on a fait la base. Donc vous voyez, c'est tout construit à 1 de hauteur. Pardon, 2 secondes, je vais fermer ça pour éviter les lags. Voilà. Et donc, à partir de là, comment j'avais fait? Option. Désolé. Donc voilà, ouais. Alors à partir de là, on va reprendre les barrières. Donc comme d'hab, je vais me poser par terre pour montrer qu'on peut le faire sans le mode créatif. Tac, on laisse 2 pour l'entrée. Et on fait passer comme ça. Ensuite, on en met ici. Tac, tac. Pardon, je suis tombé. Tac, tac. Pareil ici, de ce côté. Ensuite, on fait monter par là. Et ensuite, vous posez un bloc de bouse que vous voulez pour placer celui d'en haut. Pareil là. Ou vous sautez comme vous voulez. Voilà. Alors, ensuite... écoutez, on fait pareil pour la porte. Tac. Tac. Voilà. Donc on peut aussi le faire en sautant. Hein. Bon, vous faites bien comme vous voulez. Et ici, on va placer 2 portes. Ah mais. Tac, tac. Non. Non, elles se placent ici les portes, puisque ce sera ici que se poseront les blocs. Et au-dessus, là, bien en haut, vous placez des demi-dalles. Comme ça, bon, vous allez me dire ça vole, et ben justement, pour éviter que ça vole, on va faire comme ça. Ah, mais tac, tac, pouf, et voilà. On a fait notre entrée déjà, donc elle est prête. Vous voyez, ça commence à devenir vert petit à petit, et donc maintenant, oula.
ben, on va pouvoir commencer à construire. Alors, vous faites votre technique comme vous voulez, comme ça. Donc, ben, vous faites les murs. Mon petit creeper qui a fait péter le minecart là, je sais pas comment elle a fait. En tout cas, il n'y a plus la boucle du jour, faudrait que je le change manuellement. Donc, vous avez vos murs, qui sont les murs de l'étage du bas qui sont faits. Ensuite, vous creusez ici, oui. Puis deux plus tard, non, pas là. Ah non, d'accord. Deux ici. Et puis ici, voilà, pour faire les fenêtres. Pareil de l'autre côté. Tac, tac, tac. Et ici. Alors, pour le plafond, on va faire comme ça. Voilà. Et on va remplir le plafond aussi. Alors. Voilà. C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va voir pour les fenêtres de devant comment c'est fait, comment c'est arrangé. 1, 2, ok, 2 d'écart avec les portes. Donc, vous voyez, 1, 2, et elles sont là. Voilà. Pareil, toujours pareil de l'autre côté. Tac. Voilà, et on rentre. Alors, on va placer les vitres, tiens. Comme ça. Voilà. Et ensuite, bah, on va commencer à s'attaquer à l'intérieur de cette, de ce. Alors là, en face, vous faites la baie vitrée à 3, comme ça, en face des portes, bien en face. Et ensuite, bah, on va commencer à s'attaquer à ces. Il manque les. Ah oui, pardon, il manque les portes, de... les fenêtres de derrière aussi. Donc, elles sont à 2 d'écart avec la baie vitrée aussi. Voilà ici, et tout ce qui est volet on les posera après, enfin vers la fin quand on sera en train de faire l'étage du dessus, parce qu'au moins on aura accès à, au bas. Oups. Faites pas les mêmes erreurs que moi parce que ça vous gaspillera du matériel. Alors voilà, on va, mince. Tac, on va faire une petite allée en bois comme ça. Après là, ce que je fais maintenant là pour cet étage, c'est truc de base, hein, franchement, c'est pour faire quelque chose de un petit peu plus joli que de la bouse toute seule. Et là, on va le faire un trait là, 1, 2, 3, éloigné de 3 du mur. Voilà, c'est pour vous proposer plutôt une organisation de pièces. Une organisation de pièces plutôt sympathique. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite pièce. 1, 2, une porte. 1, 2, 3. Là, on va faire ça. Tac. Et on recouvre par-dessus, comme ça. Alors, j'ai laissé une ouverture pour faire plus. Moins renfermé, on va dire. Donc là, vous faites un. Toujours pareil de l'autre côté, comme ça. 1, 2. Et paf. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Bon. Et ici, bah, j'ai rien fait. Ici, je fais pas de choses. Par contre, ouais, je sais. Là, normalement, c'est censé être vert pour l'herbe. Dès qu'elle arrivera là, qu'elle montera, je pense que ça transférera par là. Enfin bon. Voilà, elle commence à monter. Et donc, c'est ici, là, juste au-dessus de ce poteau, vous faites un trou là. Et pareil de l'autre côté. Et vous posez des échelles pour pouvoir monter. Et à partir de là, vous voyez, on va arriver à l'étage supérieur. Alors, cet étage supérieur, alors ça fait 1, 2, 3, voilà, comme ça. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et là,
on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Pareil, de l'autre côté. 1, 2, 3. Un petit montant en terre, comme ça, pour un peu plus de relief. Et là, on va entamer les murs. Donc moi, je fais les trois d'un coup, mais pour aller plus vite pour le tuto. Donc vous faites des murs pareils de 3 de hauteur. Comme ça. Et le plafond sera comme pour le précédent, à 4 de hauteur. Voilà. Voilà, voilà. Oh là là. Donc. Merde. Bon, c'est bon, j'ai pas fait le con. Et donc ici, vous toujours remplissez le mur. Faire gaffe de pas tomber là. Tac. Oui, à mon avis, il y aura besoin de plus de 4 stacks de bouse. Le terre, après, c'est vous qui voyez pendant la construction. Et là, vous faites une grande baie vitrée aussi. Comme ça. Mettez toujours le vert. Ici, un point au milieu, comme ça. Et de ce côté, une simple fenêtre. La nuit se couche. Voilà. Et bon, bah, on a fait... Ah oui, j'ai oublié de poser le bois aussi à l'étage. Pareil, vous faites une petite allée comme ça. Ici. Comme ça, voilà. Et donc, ici, moi, je propose de poser des lits comme ça. Voilà. Et les torches, ben, on va commencer à les poser d'ailleurs. Tac, des torches ici. Et on va finir le toit. Parce que pour l'instant, il est simplement... voilà, vous faites une pyramide en fait. Vous faites une jolie pyramide comme ça. Et vous posez deux torches au sommet. Alors, est-ce qu'on descend ? C'est par là. Voilà. Et ben, on avance bien pour l'instant pour la construction. On a bien avancé. On a fait toute la maison, la forme de la maison. Donc ici, pour un éclairage optimal, je vous conseille de poser des torches ici et autour des fenêtres, comme ça. Tac, tac. Alors, pour l'extérieur, pour ce qui est de l'éclairage extérieur, on va en mettre là, ici, comme ça. On va en mettre aussi ici, là, sur les trois petits montants. Après, ça, c'est qu'un plus hein, pour les torches. Vous les posez bien comme vous voulez. Moi, je veux juste vous proposer quelque chose de joli, simple et pas cher. Oui, parce que là, on a simplement besoin de bois et de choses comme ça. Alors, il me faut les trappes. Donc on a posé tout le verre, je vais choper les trappes ici, voilà. Donc c'est pour faire les volets, les trappes en fait, voilà, comme ça. Voilà, ça donne un joli effet. De ce côté, on va pas en mettre tout simplement parce que les deux fenêtres sont trop proches et si on en met là, ça fait quelque chose de moche. Donc on va simplement poser une torche ici. Une là. Là non plus, on va pas mettre de volet. Une torche ici. Et une torche ici. Ouais. Allez, maintenant, on re-rentre. Et je sais plus où est-ce que j'ai mis des volets ailleurs. Ah, j'en ai mis derrière. Ah bah si, j'en avais mis derrière. Bon bah, vous en mettez derrière alors. Comme ça. Les volets, c'est important pour la nuit parce que ça permet de cacher du noir. Comme ça. Et non, et ici. Voilà. Oui, il y en a aussi au-dessus, donc ici. Voilà.
Et voilà. Bon. Et ben voilà à quoi ressemble votre maison quand vous venez de la construire. Il n'y a pas forcément du verre directement. Donc il faut attendre un petit moment. Mais le verre viendra. Ah, j'ai oublié un petit montant aussi là devant. Ici. Non, tac, tac. Tac, tac. Normalement, il faut poser un bloc de bouse pour que le reste devienne vert. Mais regardez, là, ça commence à le faire ici. Je sais pas si ça va le monter en haut. Donc voilà. Alors, oui, non. De toute façon, au contact du soleil, ça devient vert au bout d'un moment, la terre. Donc, ça va venir. Vous inquiétez pas. Et ben, je vais attendre que ça devienne tout vert et je vous reprends pour le final. Allez, à tout de suite. Et oui, toutes les maisons en bouse ne ressemblent pas à ça. On peut avoir des jolies maisons en bouse, regardez, après quelques heures d'attente, et encore c'est pas tout à fait fini, et ben on peut obtenir quelque chose de joli, de vert, de coloré, d'éclairé, et qui pourtant est en bouse et en bois, donc qui coûte rien. Vous avez tout autour, vous coupez 5 arbres, vous creusez, allez... Ben, vous creusez 4 à 5 stacks de terre, voire plus un petit peu. Et franchement, c'est pas la mer à boire. Et on peut quand même obtenir quelque chose de joli pour peu. Bon, vous me direz, la cobble, c'est plus économique, on en trouve plus facilement, blablabla. Ouais, mais la cobble, je trouve que c'est quand même moins joli que de la terre verte. Donc, voilà. Et ben, je vous dis merci de m'avoir suivi pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu de construire cette maison. Je trouve que c'était une expérience tout à fait nouvelle de construire une maison en bouse, en terre, ouais. Franchement, je trouve ça sympa. Et bon, ben, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu. Allez, à plus tout le monde!